veux que je te donne mon petit pain, c'est ça? Oh, mais d'abord, il faut que tu le mérites. Tiens, regarde. Le principe de notre petit jeu, tu le connais déjà. Je prends une gomme et je la pose délicatement sur le dos, comme ceci. Et ensuite, je la recouvre d'une tasse. Et à côté, je mets une autre tasse sans rien dessus. Et de l'autre côté, je place également une troisième tasse vide. Ensuite, je déplace ces trois tasses. Et si tu réussis à deviner sous quelle tasse se trouve la gomme, mon petit pain est à toi, d'accord? C'est parti. Un, deux, trois, ouvre bien les yeux. Et un, deux, trois, ne perds pas la trace de vue. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne très vite. Il faut bien se concentrer, sinon c'est râpé. On tourne, on tourne, on tourne, et on s'arrête. Alors, Rex, où est la gomme, hein? C'est celle-là, tu crois? Non, on va savoir tout de suite. Eh non, désolé mon gars, tu t'es fourré la patte dans l'œil. Ah là, tu penses, voyons voir si tu as raison. Eh non, encore raté, tu as perdu. Elle était là. Écoute, Rex, tu dois faire très attention, mon chien. Il faut être extrêmement attentif. C'est essentiel, tu comprends? C'est capital pour un policier, aussi bien que pour un ancien policier, tu vois. Tu dois être attentif au moindre détail. Il faut toujours être concentré. Sinon, tu pourrais être... Arrête de faire l'andouille, tu veux. Suis-moi, on va au théâtre. Pas de discussion, allez, tu me fais Juliette. Et Rex, tu vas jouer Roméo. C'est moi qui devrais jouer Juliette. Et qu'est-ce que tu veux jouer d'autre? Roméo, peut-être? Allez, allonge-toi dans la paille. Rex? Regarde ça, Quinn. J'ai là quatre valets dans la main. Et ils veulent cambrioler une maison. Oui, Rex, hein. Alex arrive bientôt avec les petits pains. Alors, l'un d'eux reste en bas pour faire le guet. Les autres vont s'occuper de la maison. L'un d'eux va à la cave. L'autre se rend au premier étage. Et le dernier sur le toit. Mais quand celui qui monte la garde crie « Attention, police !» ils se retrouvent tous les quatre sur le toit. Comment on le fait ce tour? Ah, désolé. Buck, le magicien, ne dévoile jamais ses secrets. Bon, alors, le valet de cœur que voilà est dehors, hein? Là. Vous voulez faire du musical? Bah oui, pourquoi pas. C'est un tour vraiment génial, tu sais. Je vous le refais. Je vous montre encore une fois. Rex, c'est pas sympa, ça. Il ne faut jamais embêter un grand magicien. Attends, je connais un tour encore mieux que celui-là. Tire une carte. Allez, dépêche, tire une carte. Ah. Oui, Buck, police criminelle. Quoi? L'adresse? Oui. Ah, une seconde, je note. Oh, Rex! Oui, un moment. D'accord. Oui. Bon, on arrive tout de suite. On en reparlera tous les deux. On a du pain sur la planche.